Bonjour. Ce matin, une présentation d'un système qui peut remplacer le système de Microsoft, à savoir Windows XP, 7 ou Windows 10. Ici, il s'agit d'un système Linux. Donc, vous avez ici un menu qui vous donne accès à une série de boutons qui correspondent à des applications. Par exemple, ici, si on veut arrêter l'ordinateur. Ensuite, une série d'applications qui sont rangées par thématique, par exemple bureautique, ici avec tous les outils bureautiques classiques. Vous avez, sans ça, ici votre explorateur de fichiers, comme sous Windows, rangé par dossier, notamment documents, images, musique, etc. Ici, un doc, comme sous Mac, avec différentes applications, notamment les plus utilisées. Ici, un indicateur de météo. Le son, la connexion Internet, ici la date, etc. Un calendrier. Pourquoi choisir un système Linux? Et bien souvent, sur Linux, vous n'avez pas besoin d'antivirus. Ce qui n'est pas le cas sous Windows, qui est beaucoup plus sensible aux virus. La plupart des applications que vous avez sous Windows, vous les retrouvez ici. Par exemple, j'ai le navigateur Firefox qui fonctionne très bien sous Linux. On a également VLC, le lecteur multimédia qui fonctionne aussi sous Windows et qui a son équivalent sous Linux. Même chose pour la suite LibreOffice qui fonctionne aussi bien sous Windows que sous Linux. Alors vous remarquerez qu'ici sous Linux elle est nettement plus rapide au démarrage que sous Windows puisque sous Linux, ça démarre un petit peu plus vite, sachant qu'on n'a pas d'antivirus et tout un tas de programmes qui fonctionnent en tâche de fond. Donc, c'est un système d'exploitation qui fonctionne très bien sur des machines même un petit peu anciennes ou qui ne sont pas très puissantes. Donc, si dans votre école, vous avez une machine qui ne fonctionne plus sous Windows parce que le système est complètement planté, eh bien, pensez à Linux, vous voyez, ça lui donnera une seconde jeunesse avec un ordinateur qui fonctionne très bien et qui est surtout très stable. Voilà, à bientôt pour un autre tuto.